Toujours des pièces en rab. Oui, il y a toujours des petites pièces en rab. C'est magnifique, parce que là, du coup, maintenant, je vais faire la déco. Pour le sachet 18. On les réinstallera après. Hein. Le bâtiment il commence à être grand devant mon écran. Et dans le concert, hein, pour ceux qui s'intéressent, c'est Seuken qui fait la trompette. Et dans le concert, comme dans le combat, il y a un moment où en fait le temps se fige et tout le public se fige aussi, c'est marrant. Non, c'est Alexander ça. Tu vois, on l'a entendu plus tôt. Ça fait vachement bien parce qu'au Japon, en fait, ils ont tous des bâtons lumineux qui font les différentes lumières et tout ça pour faire le rythme, vu qu'on peut plus utiliser de briquet. Et du coup, tout ça se fige et tout ça, c'est marrant. Ça fait super. Ah, c'est un portail, d'accord. Ok, c'est ça qui va à l'arrière. D'accord, je comprends mieux du coup pourquoi on voit le Darkhold. Pardon, c'est là. Les bateaux sont commandés par infrarouge. Je sais pas si c'est commandé par infrarouge ou pas, parce que c'est pas forcément tous la même couleur. C'est peut-être toi qui choisis la couleur que tu veux. Ils sont en vente hein, sur le store de FF. J'ai vu. Ils y vendent 25 balles. Ok, donc là on a le portail.
Et c'est pour ça qu'on peut voir le Darkhold. Une récemment qui explique le fonctionnement des bracelets. Ouais, j'avais déjà vu les bracelets. Alors nous, ce seul qu'on a vu à Trackmania Cup, c'est des bracelets qui bougeaient au mouvement, donc il fallait bouger le bras pour qu'il y ait de l'éclairage qui se fasse. Mais oui, j'avais déjà vu des bracelets aussi qui étaient commandés comme ça par... je sais pas si c'est par infrarouge. En tout cas, du coup, ça rend pas mal, c'est vrai aussi. Infrarouge, on peut cibler une zone du public par radio, hein, d'accord. Infrarouge, ça me semble être risqué parce qu'il faut avoir un contact infrarouge direct. Ah, et du coup, on vient entrer ici. La numéro 4. La nouvelle exhibition, donc la nouvelle visite au musée pour Captain America. On voit à la fin de. Enfin, qu'on voit dans Winter Soldier. Exhibition. Hop, voilà, on a collé la fiche Captain America. En fait, je pense que ça, on peut les échanger de place. Hop, ok, et du coup, je crois qu'il me reste un troisième à faire là. Ah, et du coup, c'est dans celui-là où il y a... Moi, c'est Garuda, il me semble, mais je suis pas sûr. On voit au début de Multiverse of Madness et aussi dans What If. Mmh.
dépêcher. Par contre, je crois que c'était la fin du spectacle, ça. Non, on va faire autre chose en musique. Pardon, hop là. Du coup, on était là. En train de me dire, tiens, il est temps de réagir. On a fait une réorchestration au piano de Tomorrow. Sympa ces pièces-là, je les connaissais pas.
D'accord, et ça sort sur le côté. Je crois qu'on doit pouvoir le mettre si on veut. Hop, ça va là. Je crois que si on veut, on peut le mettre comme ça en fait. Et du coup, on a la bestiole à l'intérieur. Bon. Je verrai parce que du coup, de ce côté-là, moi je vais avoir le Daily Bugle. Donc faut que je vérifie que ça passe avec le Daily Bugle. Hop, voilà. Moi j'ai le Daily Bugle qui va venir se prendre ici de la manière dont ça va être exposé. On verra bien. Nice. Alors, ensuite. On va faire les décos dans la rue maintenant. Multiverse Manual, bah oui, en même temps il est sorti à peu près à cette période là donc c'est pas étonnant. Et il m'en reste un, en effet. C'est marqué 177A Baker Street. Pas trop si c'est la vraie adresse du Sanctum, ça. Ou si c'est une référence, Baker Street, au fait que Dominic Cumberbatch, c'est aussi Sherlock. Je sais pas. Alors, ensuite, deux arbres. C'est pas grave, je regarderai une vidéo qui me donnera tous les easter eggs qu'il y a dans le set. À quoi ils correspondent. Ça existe. C'est pas en fait la vraie adresse du vrai bâtiment dans New York. C'est aussi une possibilité. Alors, où se trouve la maison de Dr. Strange? J'ai suivi un dessin. À deux étages localisés sur 77A Baker Street. Donc... Ah, ok, donc c'est bien la bonne adresse. J'ai un dealer. Ah, c'est Bleecker Street. Ah, pas Baker Street, autant pour moi. J'écris petit en même temps. Spring's promise of sun is honored.
Pardon. Hop, hein, voilà. Arbres du coup. Alors maintenant on va faire les points d'ancrage. Gros, où est-ce qu'on au super héros? Alors. L'Empire s'attaque ici à... Hop, voilà, on a Wanda sur le côté. C'est pas mal avec Spidey et Evil Strange, et voilà. Tac, et voilà, tout le monde est placé. Voilà ce que ça donne. Bah c'est super sympa. Bon bah voilà. On a terminé le montage. Quelques petites pièces en rab encore sur le dernier sachet. Et voilà, on a fini du coup le Saint des Saints. Hey Shepard, bienvenue. Ça va et toi? Bonne année. T'arrives à la fin du live du coup.
Je viens de finir la construction du Saint des Saints en Lego. Voilà, donc il va aller à côté de ce côté-là, je vais avoir le Daily Bugle. Et bonsoir Klimili, bienvenue, bonjour à toi, bienvenue sur le chat, bonne année. Arrive à la fin du live, du coup, je viens de finir de monter le set que je voulais monter aujourd'hui. Je voulais finir de monter aujourd'hui. Pas de chance. Et voilà, du coup, il est terminé. Le Saint des Saints, il rend super bien. Voilà. Prochain set Lego qu'on montera, ce sera sans doute... alors, ce sera l'un ou l'autre, ça dépend des pièces. Ce sera des mocks. Ce sera soit le Durama Stargate avec... c'est pas mal. C'est un set officiel ou c'est un créa... C'est un set officiel, celui-là. Les prochains seront des créations plus perso. J'ai commandé des pièces pour faire soit un Durama Stargate avec d'un côté le SGC et de l'autre Abydos. Soit comme un peu les 7 cartes postales, les 7 architectures Skyline qui s'appellent des différentes villes. Sauf que moi je vais en faire avec des films. Les premiers ce sera Jurassic Park, les pièces sont commandées également. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble ce petit Skyline Jurassic Park, c'est sur le Discord que ça se passe. Et voilà, toutes les pièces sont commandées, j'attends juste de les recevoir pour les monter. Et prochain set qu'on montera, sinon... Bah, j'ai pas mal de Harry Potter à monter, donc peut-être un set Harry Potter. Voilà, ou la plante piranha, peut-être. Peut-être la plante piranha de Super Mario. Voilà, voilà. Mais c'était cool, ça fait du bien. Ça y est, là, le téléthon est passé, là, j'ai à nouveau envie de faire du Lego. Les 300 000 pièces du les 100 000 pièces pardon, du Téléthon, ça va un petit peu refroidir là, pendant quelques temps. C'est pour ça qu'on a mis un petit peu de temps à finir ce set là. Mais je suis content d'avoir fini. Et puis on va reprendre tranquillement à faire quelques sets de temps en temps sur la chaîne. Bref. Je vais pas vous le montrer en grand parce que du coup il est un peu lourd. Donc déjà pour le déplacer, je vais le démonter en 3. Mais voilà. Tu regardes Lego Master ? Non, je regarde pas Lego Master. Il y a des choses qui me plaisent pas dans Lego Master, donc je regarde pas. En tout cas, dans les saisons précédentes. Je sais pas si cette saison-là, il y a eu les mêmes problèmes de sécurité, donc... voilà. Mais bref, c'est pas grave. Mais enjoy, profitez bien de Lego Master. Les épreuves de destruction... Non. Non, ça c'est pas... Et là, c'est mon travail qui me parle, donc la mise en danger de personnes pour faire une émission télé me gêne. Voilà, mais ça, c'est à cause de mon boulot. C'est quoi ton travail ? Je travaille chez Enedis. Et je suis surtout membre du CHSCT, donc les... trucs de sécurité et tout ça. En gros, quand on fait construire des tours les plus hautes, mais qu'on laisse des gens monter debout sur des tables sans sécurité particulière, c'est un problème. Voilà. Donc quand on fait s'écrouler des ponts, alors qu'eux, ils sont sur des petites échelles. Ils sont obligés de faire des bonds en arrière pour éviter que ça leur tombe dessus. Bon. C'est un truc, c'est un peu dommage en fait. Mais bon, voilà, ça c'est perso. On dire. Bref, merci à vous, c'était cool. Passez une bonne fin d'après-midi. On se retrouvera demain pour du jeu vidéo. Et puis, dès que j'ai reçu les pièces pour les prochains Lego, donc j'espère assez vite, on fera le duo, soit le duo. J'aime bien faire la suite des Stargate qui sont là, soit le Skyline Jurassic Park. Ça risque d'être les prochains quand même. J'espère les sauver assez vite. Normalement, toutes les pièces sont commandées, donc voilà, ça va arriver quand même assez rapidement. Mais bref, merci à vous, bonne soirée, et puis je vous dis
Ah, demain, du coup, je suppose que ce sera du FF14 au hasard, mais je suis pas sûr, donc je vous dirai. Allez, salut tout le monde, à demain.